Merci Guillaume, bonjour à tous. Donc je vais vous parler aujourd'hui du parasitisme du jeune poulain et vous présenter les recommandations scientifiques actuelles. Donc je vais commencer ma présentation par un cas clinique qui a l'intérêt de mettre en évidence les problématiques actuelles. Donc il s'agit d'un haras de 35 poulinières où les poulains sont vermifugés de façon systématique toutes les 4 à 8 semaines jusqu'à l'âge de 18 mois. Et là, en l'occurrence, un foal de 5 mois est présenté. Il a été vermifugé la veille et il présente des coliques très sévères. Et à la chirurgie, on constate une impaction de l'intestin grêle par des ascaris, donc ces longs vers blancs que vous voyez dans la lumière intestinale. Donc ce cas nous montre que les causes parasitaires sont importantes dans la mortalité du jeune poulain, 4% des poulains de 1 à 6 mois. Et d'autre part, ce cas nous montre que le poulain a eu un échec de traitement puisqu'il avait été vermifugé plusieurs fois et ça soulève donc la problématique des résistances. Alors, pourquoi on en est arrivé à ces phénomènes de résistance? Parce qu'en fait, on a longtemps vermifugé de façon systématique pour gérer les infestations aux grands strongs. Les grands strongs, c'est des parasites très dangereux pour le cheval. Et à l'époque, on ne disposait que de molécules adulticides, c'est-à-dire de molécules qui tuaient que les vers adultes. Donc, on était obligé de répéter très régulièrement les vermifuges pour limiter les épisodes cliniques chez les chevaux. Donc depuis, la situation a évolué. La prévalence des grands strongs a diminué au profit des petits strongs qui sont moins pathogènes et on a vu apparaître sur le marché des vermifuges avec un spectre et une activité plus étendue, notamment une activité au niveau des larves des strongs, par exemple comme les lactones macrocycliques. Et par rapport à ces deux points, du fait de l'utilisation intensive des vermifuges, sont apparues les résistances, donc des parasites qui résistent aux vermifuges. Et le problème, c'est qu'on n'a pas de nouvelles molécules dans l'arsenal thérapeutique. Donc il va vraiment falloir gérer différemment la vermifugation, utiliser ce qu'on appelle la vermifugation raisonnée, moins mais mieux vermifuger, dans le seul objectif de préserver notre arsenal thérapeutique, c'est-à-dire d'avoir des molécules efficaces quand on vermifuge. Néanmoins, le poulain, lui, est extrêmement sensible au parasitisme, donc on va gérer un peu différemment cette classe d'âge. Donc je remercie le réseau Résumec ANSES qui m'a fourni des données très récentes sur la mortalité et le taux d'infestation des poulains en Normandie, donc des données sur les 5 dernières années qui s'arrêtent à fin septembre 2020. Donc on voit que la mortalité des jeunes poulains est donc de 4%, des poulains de 6 mois à 1 an 9%, et également la classe d'âge 1-2 ans, presque 10% de mortalité liée au parasitisme. Donc, je vais vous reparler plus spécifiquement des problématiques du jeune poulain, d'un point de vue de son immunité et des parasites spécifiques. Puis on parlera des molécules disponibles sur le terrain et on fera l'état des lieux des résistances. Et enfin, concrètement, les stratégies de maîtrise du parasitisme chez le jeune poulain. Mesures environnementales, vermifugation avec l'aide des coproscopies. Donc les problématiques chez le jeune poulain, vous savez que le poulain naît sans aucune protection immunologique à la naissance, parce que son système immunitaire est compétent mais naïf, c'est-à-dire qu'il n'a pas été en contact avec les pathogènes, ce qui lui donne une susceptibilité très importante par rapport aux maladies infectieuses, mais également par rapport aux maladies parasitaires. Et en plus, on a une possibilité d'infestation maximale dès la naissance. Alors l'immunité va se mettre en place, elle va être différente selon les parasites. Par exemple, pour Strongyloides westeri, l'immunité va se mettre en place
passe entre 5 à 10 mois. Pour les ascaris, entre 6 mois et 2 ans, forte immunité. Alors que pour les strong, l'immunité va être plus lente à se mettre en place et restera incomplète. Toute la vie, les chevaux seront infestés par des petits strong. Et puis pour d'autres parasites comme les oxures gastérophiltenia, on n'a pas d'immunité détectable. Alors, quels parasites vont infester le poulain? Donc, le premier parasite, ça va être Strongyloides westeri dès la naissance. Puis, les poulains vont s'infester avec des ascaris. Et à partir du moment où les poulains vont aller au pré et manger de l'herbe, ils vont pouvoir être infestés par les strongles. Et au sevrage, on aura deux parasites importants, les ascaris et les petits strongles. Ils pourront également être atteints par des ténias, puisque c'est une parasitose d'extérieur, et bien sûr par les gastérophiles. Alors, un tableau sur la prévalence des différents parasites chez les jeunes. Donc, on voit qu'en jaune, les ascaris sont vraiment le premier parasite prédominant, puisqu'on a un pic d'infestation d'environ 49% dans la classe d'âge de 3 à 6 mois. Puis, le relais est pris en gris par les petits strongles et au sevrage, les petits strongles deviennent des parasites importants pour le cheval. Pour le poulain et un taux d'infestation non négligeable également pour le ténia, alors que les grands strongs, comme on le disait en préambule, sont très dangereux mais maintenant ont pratiquement disparu des élevages. Alors, le premier parasite du poulain, c'est donc Strongyloides westeri. Ça, c'est un parasite très particulier qui a la faculté de se transmettre de façon verticale de la jument au poulain. Le poulain peut s'infester en têtant sa mère dès les premiers jours de vie. La prévalence est très variable selon les haras. Certains haras n'auront aucun problème avec ce parasite, d'autres, la prévalence sera élevée. Le pouvoir pathogène est assez limité, sauf en cas d'infestation massive, c'est-à-dire à la coproscopie, on va trouver plus de 2000 œufs par gramme de crottin, ce qui va donner des diarrhées parfois très profuses chez le jeune poulain, et ça rentrera dans le diagnostic différentiel au moment de la chaleur de lait. Le diagnostic est facile par coproscopie, on pourra identifier les petits œufs que l'on voit sur la diapositive en bas et on ne traitera que les poulains qui sont à la fois malades avec une diarrhée et une coproscopie positive. Le deuxième parasite, ce sont donc les ascaris, une parasitose qui est difficile à contrôler parce que l'infestation est précoce et continue, parce que les autres parasites que vous voyez, les œufs d'ascaris que vous voyez sur la photo là, à droite de l'écran, sont entourés d'une coque très épaisse qui leur confère des propriétés de résistance très importantes dans le milieu extérieur. Donc c'est des parasites très prolifiques avec des œufs très résistants, donc le milieu est très contaminé par ces ascaris. Au niveau des signes cliniques, on peut avoir des signes respiratoires quand les migrations des larves d'ascaris se font au niveau pulmonaire. Et puis après, on peut avoir des diarrhées, de l'amaigrissement, des retards de croissance avec des poulains qui sont ballonnés. Et puis dans les cas les plus graves, comme on peut le voir sur la photo, ces fameuses pelotes ascaridiennes qui vont impacter, boucher l'intestin grêle. Donc le diagnostic se fera par la clinique et puis également grâce à la coproscopie qui néanmoins peut être parfois négative, c'est-à-dire que le poulain a des œufs des adultes d'ascaris dans l'intestin grêle et la coproscopie, on ne retrouve pas d'œufs. On a décrit également une méthode échographique pour diagnostiquer ces ascaris. Excusez-moi. On sait que quand les poulains sont infestés par plus de 10 ascaris adultes, on peut se servir de cette technique qui n'est pas forcément facile à mettre en œuvre dans les élevages.
Alors, le traitement, comme on l'a vu, hein, c'est vraiment la cible principale de la vermifugation du jeune poulain. Il faudra le traiter une première fois à 2 mois et puis après le traiter, mais tout en respectant l'équilibre entre la santé des poulains et la sélection des résistances. Donc, idéalement, il faut vermifuger les poulains tous les 2-3 mois jusqu'à 6 mois contre les ascaris, puis tous les 3 mois. Alors, on a 3 grandes familles de vermifuges que l'on peut utiliser, et uniquement ces 3 grandes familles, ce qui est vraiment un problème. Finalement, l'arsenal thérapeutique est assez réduit. La famille des benzimidazoles, la famille des tétrahydropyrimidines et la famille des lactones macrocycliques. À noter qu'en Normandie, dans certains haras, on commence à avoir des résistances des ascaris à cette famille des lactones macrocycliques. Les petits et les grands strongles, donc c'est les principaux nématodes du tube digestif, hein, avec l'augmentation des infestations aux petits strongles. Hein, on voit que 24% des poulains entre 3 et 12 mois en Normandie sont infestés par ces parasites, et la transmission se fait presque exclusivement à l'herbe dès que les poulains sortent dehors. Alors, le cycle des petits strongles est particulier, puisque lors de la phase larvaire, les larves peuvent traverser la paroi du gros intestin ou du cécum et faire une partie de leur cycle dans cette paroi intestinale. Et on a un phénomène assez remarquable pour ces parasites, c'est que ces larves peuvent rentrer en hypobiose, c'est-à-dire s'endormir, notamment l'hiver, et ressortir massivement au printemps. Et c'est vraiment une préoccupation sur les poulains un petit peu plus âgés. En général, ça arrive à l'âge de 18 mois, lors du deuxième hiver. Les poulains de moins d'un an ne sont pas trop atteints par ces phénomènes d'hypobiose. Donc cliniquement, lorsque les larves vont rentrer dans cette paroi intestinale, comme on peut le voir sur la photo, on va avoir une grosse inflammation, donc de la diarrhée, de l'amaigrissement. Et les parasites adultes, eux, sont moins dangereux, sauf si vraiment on a une infestation massive. Et là également, on va pouvoir avoir des diarrhées très importantes. Donc, on a vu l'immunité variable par rapport aux petits strongles. Et au niveau de la vermifugation, on va les vermifuger à partir de 6 mois, puis tous les 3 mois. Donc, on a également nos 3 familles de vermifuges disponibles. Par contre, les petits strongles, on a des résistances extrêmement étendues pour la famille des benzimidazoles. Donc, vous voyez qu'entre les ascaris et les petits strongles, il va falloir vraiment bien réfléchir au moment du sevrage avec quelles molécules vermifuger. Et les grands strongles, donc eux, ils sont beaucoup moins prédominants, mais ils sont extrêmement dangereux pour le cheval. Hein. Les larves migrent dans les artères, donc on peut avoir des coliques très très graves quand ils bouchent les artères mésentériques, les artères qui irriguent le gros intestin. C'est pour ça qu'il faut que les poulains soient vermifugés tous les 6 mois avec un traitement larvicide. L'euthénia. Donc l'euthénia, c'est important parce qu'on sait que la prévalence chez les poulains en Normandie est d'environ 7%, et ça peut donner des coliques très graves avec perforation. Et le diagnostic n'est pas facile parce que la coproscopie est souvent négative. Donc on pourra avoir recours à la sérologie sur tout l'effectif pour savoir si on a l'euthénia. Et évidemment, l'autopsie est intéressante aussi pour diagnostiquer le téniasis. Donc vous savez que pour le ténia, on a un traitement vraiment très spécifique de ce parasite, et il faudra traiter dès 5 mois si on sait que dans l'élevage, l'infestation est patente. Sinon, on attendra l'âge de 8 à 10 mois. Alors maintenant, on va revenir sur les molécules disponibles et faire l'état des lieux des résistances en France, notamment en Normandie. Donc je reprends mes 3 grandes familles de vermifuges, les lactones macrocycliques, les benzimidazoles et les tétrahydropyrimidines. Chacune ont des qualités et d'autres non. Par exemple, certaines peuvent agir au niveau des strongles sur les larves plus ou moins profondément enkystées.
tester. Certaines peuvent être insecticides, donc ça c'est vraiment une démarche rationnelle de choisir le bon vermifuge. Donc les résistances, hein, c'est vraiment un phénomène mondial qui est très préoccupant. Donc il y a beaucoup de publications scientifiques en ce moment, et plus particulièrement en Normandie. On sait que les benzimidazoles, les petits strongs présentent une résistance très très étendue par rapport à cette famille, assez répandue pour les tétrahydropyrimidines. Et à contrario, en Normandie, on a quelques les ascaris qui présentent un début de résistance aux lactones macrocycliques. Donc, qu'est-ce que c'est que la résistance, hein, parce qu'on en parle beaucoup, ça peut faire écho à l'antibiorésistance. Eh bien, on a le même problème avec les vermifuges. Donc, une population chimiorésistante, c'est une population de parasites qui a génétiquement acquis la capacité de résister à des concentrations d'antiparasitaires habituellement létales pour les individus de cette espèce. Donc ça, c'est la définition de l'Organisation mondiale de la santé. Donc là, vous avez un cheval qui est porteur de parasites sensibles. Et puis, spontanément, on a une apparition d'un parasite résistant en rouge par mutation génétique aléatoire. C'est un phénomène normal en biologie. Si rien ne se passe, les vers résistants vont être dilués par la population sensible et la résistance va disparaître. Par contre, si on applique une pression de sélection en traitant avec des vermifuges de façon fréquente, on va sélectionner les parasites résistants et la résistance va apparaître. Alors bien sûr, ce n'est pas un phénomène immédiat, ça met de nombreuses années à apparaître, mais quand on constate de la résistance dans un élevage, il est déjà trop tard, on ne va pas pouvoir faire marche arrière et récupérer la sensibilité. Alors, il y a de nombreuses pratiques qui favorisent l'émergence des résistances, notamment cette notion de ne pas protéger une population refuge, c'est-à-dire une population de parasites sensibles qui ne sont pas en contact avec les antiparasitaires. Et notamment, la vermifugation très fréquente et systématique ne respecte pas ces refuges de sensibilité. On a également le sous-dosage des vermifuges, l'utilisation de molécules très rémanentes parce qu'en fin d'action, on va avoir un sous-dosage de ces molécules. Et par exemple, également l'introduction fréquente de nouveaux chevaux qui peuvent être porteurs de parasites résistants et on laisse, entre guillemets, l'ennemi rentrer dans l'élevage. D'où, vraiment, on en parle beaucoup en ce moment, l'importance de cette vermifugation raisonnée qui va surtout concerner les adultes. Les poulains, on l'a vu, doivent être vermifugés de façon systématique. Donc, on va parler concrètement de ces maîtrises du parasitisme chez le jeune poulain. Donc, d'abord les mesures environnementales, puis la vermifugation médicale. Donc en fait, on a bien compris, quand on a un cycle parasitaire, les adultes pondent des œufs qui vont se retrouver dans les crottins, et c'est les crottins qui vont contenir les formes de dissémination, de contamination des herbages. Et si on peut réduire la contamination du milieu extérieur, hein, on sait que plus de 90% des formes parasitaires sous forme d'œufs ou de larves sont dans le milieu extérieur. Donc les mesures sanitaires qui visent à diminuer cette contamination vont protéger et diminuer la charge parasitaire, protéger les chevaux. Donc l'hygiène des locaux, par exemple par rapport aux ascaris des poulains, il faudra nettoyer les boxes à l'eau chaude sous pression. Et puis ce qui est très important, c'est la gestion des surfaces pâturées. Un des grands principes de la vermifugation raisonnée, c'est de faire des tranches d'âge et de gérer le parasitisme en fonction des tranches d'âge. Et donc pour les poulains qui sont les animaux les plus sensibles, on réservera les pâtures les moins contaminées, les pâtures les plus saines. C'est la même chose pour les paddocks de nurserie qu'on utilise chaque année pour mettre les poulains. Et bien là, il y a une forte contamination d'œufs d'ascaris, donc il faut mieux essayer de changer ces paddocks de nurserie.
Donc le ramassage régulier des crottins, hein, ça c'est la mesure la plus importante, même si elle n'est pas toujours facile à mettre en place, il faudra au moins faire ça dans les petits paddocks, et donc éviter les petits paddocks où s'il y a un peu d'herbe, les poulains vont pouvoir s'infester. Éviter le surpâturage, parce que là on va avoir une densité importante de parasites, et quand on a de la surdensité, les chevaux vont manger près de leur zone de défécation et se contaminer d'autant plus facilement. On pourra traiter les herbages par le herçage, broyage régulièrement, mais il faut absolument le faire pendant des périodes chaudes et sèches pour tuer les larves infestantes. Si on fait ça pendant une période humide, au contraire, on va disséminer les larves sur la pâture. Le pâturage mixte avec des bovins, par exemple, est intéressant pour diminuer la densité de larves. Et puis, bien sûr, on peut faire de la rotation de parcelles, remplacer de temps en temps des zones pâturées par de la culture ou du foin pour diminuer cette pression parasitaire. Et le compostage des fumiers est également intéressant pour tuer les œufs d'Ascaris. Alors, les protocoles de vermifugation, donc on y vient, donc c'est la synthèse de tout ce qu'on a dit avant. Donc, à l'âge de 2-3 mois, la cible principale, ce seront les ascaris, donc on va traiter avec la famille des benzimidazoles, puisque là, on a une bonne sensibilité. S'il se passe plus de 3 mois, par rapport au sevrage, on renouvellera la vermifugation à 4-5 mois, avec toujours comme cible les ascaris. Et au moment du sevrage, donc vous l'avez vu, on peut avoir toujours des ascaris, mais également des petits strongs. Donc c'est vraiment intéressant à ce moment-là de faire une coproscopie, de voir qui est présent dans les crottins du poulain, et à ce moment-là, choisir la molécule la plus adaptée. À 9 mois, la cible, ce seront les petits strongs, puis le ténia. Donc là, on utilisera des molécules qui ont une activité larvicide sur les larves de petits strongs, et on inclura la valence ténia. Et à 12 mois, au printemps, la cible principale sera également les petits strongs. Donc on pourra recommencer avec une lactone macrocyclique. Par exemple, donc un poulain qui est né au mois d'avril recevra 3 vermifugations, juin, septembre, décembre et puis mars de l'année d'après. Et un poulain qui naît plus tôt dans l'année, en février, recevra une vermifugation supplémentaire, avril, juin, septembre et décembre. Pratiquement, il ne faut absolument pas sous-doser les vermifuges, hein, donc c'est bien de pouvoir évaluer le poids des poulains et surveiller ce qui se passe après la vermifugation. On a vu que certains poulains très infestés d'ascaris peuvent déclencher des coliques après la vermifugation. Une chose qui est très importante, c'est dans chaque ara, de vérifier l'efficacité des 3 familles de molécules, puisque la résistance est vraiment spécifique à un élevage, donc c'est intéressant de vérifier qu'après un vermifuge, on n'a plus d'œufs dans les crottins et que les molécules restent sensibles. Il ne faut pas oublier les poulinières par rapport aux poulains. Donc elles seront vermifugées selon les mêmes principes que les chevaux adultes, avec les principes de vermifugation raisonnée. Mais on inclura un vermifuge autour du poulinage pour donc limiter l'infestation précoce des poulains. Donc, en conclusion, on peut dire que les 2 principaux parasites du poulain, ce sont les ascaris et les petits strongles. Avec cette sensibilité accrue aux parasites des poulains, donc eux, on les vermifugera de façon systématique pour ne pas avoir d'épisode clinique. Et la vermifugation raisonnée et ciblée des chevaux adultes en bonne santé devient vraiment incontournable aujourd'hui du fait des résistances qui sont là. Et dans le seul but, en fait, de préserver l'arsenal thérapeutique pour pouvoir traiter nos chevaux. Donc vous avez compris l'intérêt d'écoproscopie, et donc ça peut être intéressant de mettre en place dans les élevages des audits parasitaires, parce que vous avez bien compris que la notion de parasitisme est vraiment multifactorielle, les classes d'âge, le nombre d'élevages, la surpopulation, les résistances, et c'est bien d'aborder cette problématique de façon raisonnée et intégrée. Je vous remercie. Merci.